Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la ferme industrielle. Bon, j'espère que vous allez bien, moi ça c'est pas mal. Et il a neigé, et oui, malheureusement il a neigé. Parce que c'était pas ce qui était prévu, je voulais qu'on prépare les champs. Et bah c'est nickel. Et il y a eu beaucoup de changements. Alors, excusez-moi. Alors, on s'est mis un crédit de 500 000 euros. On n'a pas le droit de dépasser. Simplement. Et que j'ai acheté cette serre-là, c'est beaucoup plus rentable. Donc, on s'en sert pour salade et tomate. Et du coup, on fait de la salade. Je vais vous dire ce qu'on fait exactement. Alors, ça nous sert à... Non, c'est où? Ah si, voilà. Donc, sauce tomate qu'on fait. Et de la salade. De la salade de tomate et... Tomate et salade. Après, on a... Le soja drink. Pareil. On a toujours des lancélules de colza aussi. On a commencé et c'est tout. Donc là, tout est là. J'ai remis deux bâtiments pour la simple raison que je pouvais pas mettre de chaud ni rien dans mon silo. Bon, bah, j'ai tout stocké en vrac. Donc là, on a l'ensilage. Là, je crois que c'est de la chaux. D'à côté, on a engrais et semences. Voilà. Et voilà ce qu'on a. Voilà tout ce qu'on a. Alors, on a énormément de boissons au soja. Alors, on a un petit peu d'huile de colza ici. Là, on a de la sauce tomate, de la salade. Ouais, c'est tout. Ce qu'on va faire, c'est que là, on va. Vous voyez, on a 17 tonnes de soja là, actuellement. Là, on va reprendre cette palette là. Hop. Là. Et déjà, on va emmener tout ça à la ferme. Et j'ai rajouté ici le petit tour. Comme niveau soja et colza, on est pas bien du tout. Enfin, on n'a pas de stock. Pour l'instant, j'achète du soja pour remettre dans les billes. Mais bon, en soi, c'est pas trop très grave. Et je voulais voir. Peut-être que mettre une usine avec aussi aujourd'hui. Et on va voir ça tout à l'heure. Soit remettre une usine ou relancer quelque chose. Ouais, je sais. J'ai refait une entrée aussi au niveau de la ferme. C'était un peu galère, il fallait tout le temps faire le tour. Maintenant j'ai refait une entrée de ce côté-là. Et pareil, bah, je peux pas enlever l'herbe. Et je peux pas acheter le terrain pour changer. Oh, peut-être pas bien, ça. Avec mon plateau là, ouais. J'ai vendu des produits. J'ai vendu des produits en même temps. Alors, j'ai vendu un petit peu d'huile de colza. En fait, c'est pas prévu, pas. Pareil, il a fallu que je remette un point de vente, pas le changer. Dès que j'avais mis hors vidéo, bah, je pouvais pas vendre tout ce qui est dans des usines. C'est un peu la galère. Mais en compte que ça va être tendu la terre. Ça va être tendu. On aura reculé. Allez. Ah, on s'améliore. Hein. Ah oui, c'est pas beau. S'améliore. Ça, c'est impeccable. Donc, du coup, en stock, on a précisément
Quasiment 2 tonnes d'huile de colza. On a de la salade, alors ça, faut que je la ramène là-bas. Et après, on a 4 tonnes de tomates, 2 tonnes de salade et 25 tonnes de soja. Et là, on va faire une pause. Et que dès qu'on a 50 tonnes d'un produit, on le vend. Et direct, c'est pas on vend au meilleur prix. Dès qu'on est à 50, hop, on vend direct. Ça, c'est bon. Du coup, on a toujours l'ancienne serre qui est là-bas, mais elle va s'arrêter. Mais plus d'eau, donc bon, elle va forcément s'arrêter. Ça, ah oui, d'ailleurs, on avait planté des raisins. Mais... les raisins, peut-être qu'on peut récolter les raisins. Oui, on peut récolter les raisins. Les raisins sont prêts pour la récolte. À la rigueur, comme on n'a pas grand chose à faire aujourd'hui, on va récolter les raisins, voire les emmener directement dans l'usine. Et je pense qu'on va faire du de raisins. En plus, ça pourrait être pas mal. On va juste par contre mettre un petit peu de salade dans l'usine. Et dès qu'il y aura plus de neige, bah, par contre, aussi que. Alors, je pense qu'on va refaire. Est-ce qu'on continue à acheter du soja et du colza pour le moment? Et on fait genre des pommes de terre, comme ça, pour lancer la production de frites, qui pourrait être intéressant. Ou alors on fait du soja. Là, pour l'instant, on verra. Là, et pour l'instant, je ne sais pas. Heureusement qu'on a un plateau comme ça. Il faut dire que je n'arrête pas. Pas du tout, et en plus, on a notre petit camion pour aller prendre les palettes dans la serre. Ça fait pas du tout. Ouais, à chaque fois, je me prends. J'ai vraiment pas de chance. Hop. Ce qui est bien, c'est que le camion, sans problème. Hop là. Ça, on met ça à l'usine. Nous, on va voir pour récolter. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? La viticulture, enfin, le raisin, ouais. Enfin, par contre, on va la louer, hein, évidemment. 10 euros. Ça, c'est pas donné, hein. Pas donné du tout. Après, il nous faut bah, une benne. Une benne. Qu'est-ce que ma matériel là? Fais-moi prendre la terre. Ici tu. Alors qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va prendre la grosse comme ça. On aura toujours des billes. Elle, on la jette par contre direct. Hop. Et on est parti. Ah, j'ai pas changé, oui. J'ai oublié de changer le point de spawn. J'avais mis ça là. Hein? Et bon. Tant pis, on est pas là. Là-bas, ça produit, là aussi. Ah, du coup, je sais pas si on va remettre une usine. Comme on a les raisins à faire, c'est vraiment qu'on avait rien. Bon, comme on a le raisin, je pense qu'on va rester comme ça. Et je pense que d'ici le prochain épisode, je pense qu'on pourra vendre notre boisson au soja. Après, ça coûte pas cher, je crois que cette boisson-là. Je crois qu'elles vont en 500 euros la tonne, donc c'est rien. C'est pas 25 000 euros. C'est pas énorme, mais. Par contre, ça prend pas beaucoup de soja dans les vignes. Les 10 soja fait 10 boissons. Ça c'est pas mal. C'est pas genre 10 soja et une seule boisson. Vraiment équitable, mais ça fait plutôt pas mal. Après, ça coûte pas cher. Pas tout avoir.
Après, au fur et à mesure du temps, on va s'améliorer, on va s'agrandir. Il y a vraiment l'objectif, on pourra refaire des crédits, mais on n'a pas le droit de dépasser 500 euros. Après, je pense qu'avec les 10 000, ça va vite être rentable, j'espère. Je croise les doigts quand même. Je pense que ça peut le faire. Donc, alors, toi. Ah oui, je suis pas passé là. D'où l'accès à mon chambre. Après, on n'a pas mis de coup. On va voir ce que ça donne. Je dirais qu'il n'y a pas de lumière. Ça? J'ai très 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 coté, mais on dirait qu'il n'y en a pas. Ah, c'est louche. C'est vrai qu'il n'y a pas de lumière. Ah si, mais elles sont gelées. On a des lignes, mais elles sont gelées. Ah, on n'a rien en fait. Enfin, on a du tout. Je pensais que ça allait être rentable, moi, j'ai dit. Non. On n'a rien du tout. Bah, je pense qu'il va falloir qu'on s'amuse à acheter du raisin aussi. Ça, c'est vraiment pas ouf. Je m'attendais à mieux que ça et pourquoi ça passe pas? Je vais sûrement entendre un avis. Non, c'est bien. Décidément, le téléphone ne semble pas couper un avis. Il y a vraiment pas de bol pour la vidéo ou quoi. L'intérieur, ça veut dire quoi ça? Donc, ça. Ça, c'est là. Non, c'est pas là. Ah non, c'est tout bien. Ok. Alors, faut être bien, faut qu'on se mette. Ah, au niveau du pied au rond, quoi. Pas mal aussi en vue cabine. Faire des lits, c'est bon, ils font des gelées, des voies prises. Je sais pas pourquoi ça augmente ma cadence. Ouais, là on a le soleil qui arrive, la neige va peut-être disparaître. Allez. Bon, même si la neige s'enlève, on va pas attaquer les champs aujourd'hui. On aura pas le temps. Allez, le troisième en haut. Non, on a vraiment rien par contre. Bah on va acheter hein. T'as pas trop le choix. Hop là, il y a tout. On mettra déjà ce qu'on a là, après on verra. Je sais pas si on aura le temps de faire l'entretien. Bon. Je ne sais pas trop comment faire ça, parce que je l'ai jamais fait encore. Première. Je sais qu'il faut couper. Bon. Mais je sais pas si on peut laisser comme ça. Je vais le prendre. Alors j'espère que ce n'est pas beaucoup de raisins pour faire du raisin, on dirait des raisins. C'est pas rentable. Pas du tout. Regardez, hop.
pour accélérer la vitesse, moi gagner du temps. Par contre, limite, hein, entre les ronds. Ça c'est bien aussi. Quand on place des lignes, ils se mettent automatiquement côte à côte. Enfin, ils mettent, ils laissent la distance minimum. Ça c'est mon top. Ça j'en avais jamais fait. J'avais peur que bah, nous mettre la distance, donc on peut pas trop savoir en fonction du matériel. Mais non, pas du tout. Ça c'est vraiment cool. Ça c'est fini. Ouais, c'est une dernière allée à faire. On aura 2000 tonnes, quoi, 2 tonnes. Ça fait bien 2000 tonnes. Et 2 tonnes de riz. Hop. Allez, on est parti. J'ai qu'à vider ça dans la remorque. Et on met ça les lignes. On va voir, peut-être qu'on va peut-être avoir le temps d'acheter tout. Hop là, voilà. Je pense que je peux pas plier. Non, je peux pas plier. Bon bah, nos premières lignes de 2022, c'est fait. Reste que tes olives à essayer. Bon, jamais essayer. Maintenant qu'on s'est lancé dans les lignes, on pourra peut-être faire de l'olive. Ça va être pas mal. En soi, on a fait une terre mais elle sert pas grand chose. Mais nos véhicules sont toujours à l'eau. Dans la zone de. Par exemple, le matériel, poissonneuse, se voir et tout quoi. Et machine à moteur, tracteur, camion, là-bas. Très chouette. Le seul peut-être truc que j'ai mal fait, c'est pas un grand plateau, je prends 60 palettes, c'est que le point de stockage de palettes sera mis à la fin. On va essayer de le mettre là. On a un grand plateau. Et c'est pas chiant. On a bien fait par contre de mettre la serre là-bas. La serre elle dépote tellement que. Ça aurait été mal. Donc on peut pas prendre le plateau. Pour la serre. Ça passe pas. Enfin, si vous pouvez passer. C'est compliqué pour moi de manœuvrer avec ça. Enfin, je dis. Être un carnage. Là, on va vider ça dans la mémère. On va peut-être se mêler. Pas tout à l'heure. Allez, vide-moi tout ça là. Je sais pas si ça vide de son ça ou pas. Ça vide pas le temps. Quand t'as pas un fond, ça va côté comme ça. Avec toi on peut de l'autre sens ou pas? Je pense que oui. Ah logique. Oui. Ça nous on prend un petit tracteur. Un petit pic. Hop. Je vais essayer le camion à vider dans les. On a 2 tonnes quoi. On va acheter une. On va compléter si on peut. Je sais pas si on peut acheter du raisin. C'est bon. Ça coûte cher. Ça coûte cher le raisin. Ça coûte assez cher.
fruits en dire. On va le mettre ici, hop. Donc pour l'instant, on la loue, la machine à raisin. D'un moment, on la jette pas. Alors, ça, c'est bon. Location, tac. La viticulture maintenant, il faut ça. Ça, c'est pour. Pétailleuse. Bien fait la récolte. Ouais, les lignes pour l'an prochain. Ok. Ah, ok. Le QV permet d'augmenter la production de vos. De vos champs, ok. Ah, c'est tout. Ok. Ça, y a que ça. C'est trop cool. Bien. Je crois qu'il y avait un autre outil. Par contre, il nous faut un tout petit peu de facture. Je crois que c'est. Non, demi, je crois. Je crois que ça, ça passe. Ouais, ça, ça devrait passer. Mon gros tracteur, il va pas. Même celui-là. Ah non, il va pas passer. Celui-là, il passe. Je t'en prends. Et je... Oh. Faut pas venir passer plein en raisin, c'est pas possible. On met une tonne de raisin? Ah ouais? Pas bon. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors qu'est-ce qui est le plus rentable? Commencer. Plus de raisin ou raisin sec? Là on est sur un prix qui est à 3175. Là on a tout fait du raisin. Plus de raisin. Hop, activé. Bon, on est sur du stockage aussi. Et on va laisser là pour le moment. On va prendre notre petit lendemain. Je crois que c'est vraiment petit. Vraiment petit, mais c'est petit. La plage est... C'est un peu plus haut. C'est un peu petit. Oui, je crois. Je ne sais pas, j'en sais rien. Il me semblait qu'il y avait un autre matériel, moi, je ne sais pas. Ça. Il y a du train. C'est une fin, copain! Hop, en route! C'est pareil, ici, il va falloir que je mette une posture. Pas trop cher, c'est sûr. Hop là, j'ai eu. On va juste baisser le temps quand même. Et finir la vidéo deux jours c'est mieux. De toute façon on coupe les lignes et pas bon pour aujourd'hui. Bon, à moins qu'on ait besoin de mettre tout d'anglais parce que on a des romains comme ça comme un sac. C'est bien ça faire. On peut peut-être par là nous avec ça. Oui. Sûrement. Alors. Ça fait rien. D'accord. Il y a un truc que je fais mal, j'ai l'impression que c'est rien. J'ai vraiment l'impression de rien faire. Là. Rien fait. Est-ce que c'est censé faire quelque chose quoi? À moins qu'il faut que ça soit fait, je sais pas. Je pense normalement ça fait des feuilles, il y a petite feuille verte normalement. Non?
Attendez, il y a un truc que j'ai pas si. Là, ça met qu'on n'en a pas. Quel est le problème? Alors, peut-être que une action que j'ai mal faire. Et non. On met l'oublier. Est-ce que je vais faire ça ou pas? Est-ce que ça va changer? Moi j'ai l'impression de rien faire. Ah, attendez, décide après ta gueule. Ah, c'est ça. Bah, j'ai peut-être baissé. Du coup, c'est pas. Mais quand tu vois la hauteur de la machine, tu vois, il y a un truc pas passé. Rien. Rien du tout. Il y a un truc que j'ai pas saisi là. Alors. Que ça y est, j'ai quitté après la récolte pour préparer les filles pour l'an prochain. Ça, j'ai compris. Qu'est-ce qui va pas? Info. Moi, je veux des informations. Là, je suis PL. C'est pas cool ça par contre. Bon, ça, je savais pas ça. Ça fait des chaulages. Voyage, air. C'est bon, ça en prend tout. Pareil. Là, on prend tout. Ok, on n'a pas d'info. Alors, le broyeur, il sert à quoi? Le broyeur peut servir à écraser les risques de culture. Ah. Par contre, comment ça rentre? Un mètre. Un mètre, c'est bon. Le tracteur, il faut un mètre. Non. Non. Je pense qu'un mètre c'est bon. J'ai peur de prendre trop grand. Ah mais ça non, ça c'était pour broyeur. Là on peut aussi prélever les nains. Non, pas ça. 1m4, bon, on va prendre plus là. Je pense qu'on va juste changer de point. On va se mettre le point de. Et puis ici, c'est tout simple. Tac. Prendre celui-là. Peut-être que je fais n'importe quoi. Pas du tout. On recule, moussaillon. Est-ce que ça va changer quelque chose? Peut-être qu'après ça on va pouvoir y'a rien. C'est quoi le bordel? J'ai l'impression de rien faire. C'est un broyeur, bah oui. Voyez, mais vous levez le broyeur. Engager un ouvrier pour tout. Bah, si quelqu'un sait, je veux bien des conseils. J'ai l'impression de rien faire du tout. Ouais, là, je suis à court, je ne sais pas comment ça marche. Bon, bah, c'est pas grave. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Essayez-moi de me renseigner de mon côté.
espérant tuer un petit peu d'aide. François, tu veux encore du raisin? Alors, j'ai encore un peu de palette d'arrivée. Pas énormément. Bon, le raisin, on peut le laisser dans cette partie. C'est pour le raisin. On va aller l'arranger là-bas. On va aller chauffer. En plus, j'ai de la chance, c'est que le bâtiment il coule des petites poils entre les deux, enfin entre les grosses bosses qui restent là. Ça, c'est pas de la chance. Ça, c'était fait pour. C'est conçu pour mettre une pierre et ces bâtiments là. Pas du hasard. Ça, ben, il y a encore un petit peu. On va prendre. Hein. Elle était bloquée. C'est vrai que la porte elle est pas là. Heureusement qu'on a un camion qui est pas très gros. Bon bah voilà les amis. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Ça fait plaisir, ça ne touche rien. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde. Et prenez soin de vous sur le plus important. Allez, ciao.